Yo tout le monde, c'est Néo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un deuxième épisode de notre histoire suivie sur The Division. Alors, dans l'épisode précédent, on avait appris bien que un méchant monsieur avait modifié le virus de la variole pour le rendre plus efficace, pour le rendre plus virulent, donc ce qui est pas très cool. Et c'est d'ailleurs pour ce pourquoi New York est dans cet état-là. Alors, j'ai pas eu énormément de retours sur l'épisode précédent, sur le premier épisode de notre saga suivie. Du coup, je compte sur vous pour ce deuxième épisode pour me dire si le format vous plaît, s'il faut peut-être quelque chose d'un petit peu plus court. Alors, aujourd'hui, comme la dernière fois... Vous allez quitter la zone de sûreté. Oui, je sais, je pars de la zone de sûreté, je suis plus dans mon camp. Bref, on va donc... cette fois-ci, reprendre un petit peu le même schéma que précédemment, c'est-à-dire qu'on va faire une ou deux petites rencontres, histoire de dégager un petit peu la zone et de ramener quelques points de ravitaillement, notamment ici pour l'aide de sécurité et pour l'aide technologique. Et puis on ira faire la mission de Times Square, le relais électrique de Times Square. Voilà donc le programme pour aujourd'hui. En termes de fréquence hein, de ces épisodes, je compte plus ou moins en faire un par semaine. Donc je pense qu'on va partir sur un setup de type tous les dimanches, vu que c'est plutôt bien parti pour faire ça tous les dimanches. Alors première rencontre ici pour l'aile de ravitaillement, pour l'aile de sécurité, une mission de... C'est quoi? C'est attaquer la forteresse. Très bien. Nous allons attaquer la forteresse. Qu'est-ce que je fous ici? Non, je ne fais rien ici. Je ne fais rien ici, monsieur. Ils sont pas très gentils quand même les mecs hein. Ils disent des gros mots pas très sympas. Ah bah celui-là il est vachement plus coriace que les autres. Ouais ok bon on va vite à notre mission d'attaque de poste de... Ah non, attaque de la forteresse. Oh. Je me souviens pas en avoir fait précédemment. Vous avez jamais plus en forme. Peut-être être un petit peu nouveau. Attention, place forte ennemie potentielle identifiée. D'accord, ok, très bien. Ok, donc on a pas mal de monde, très bien. Et donc on doit éliminer le chef, ok. Putain, ce que je me fais chier. Parle pas trop vite. Tu pourras le regretter. T'es qui? T'es ma mère ou quoi? Ok, alors on va prendre un peu nos distances. Ils sont vraiment coriaces, hein. Ils sont vraiment coriaces les mecs. Lui il veut pas montrer sa tête, c'est pas grave. Oh merde, oh non, ça me rush. Aïe, aïe, aïe. Où est-ce qu'ils sont? Oh, ça... Ah ouais, d'accord, c'est le chef qui me rush. Très bien. Alors non, je vais pas encore crever. Non, mauvaise idée.
Voilà. Sécurité, JDF. Oh putain, c'était pas facile hein, cette fois. Le mec était plutôt coriace. Tiens d'ailleurs, il m'a rien lâché le gars. C'est dommage. Je pensais qu'il allait loot un petit peu de d'objets sympas. Mais non. Non non. OK, ça c'est fait. Première mission réussie. Par contre, je vais peut-être pas m'éterniser sur les petites missions comme ça, je vous propose peut-être aller directement à cette mission. Times Agent, Square. On a un gros problème avec le réseau électrique de Times Square. Je laisse Rhodes vous expliquer la situation. C'est lui qui sera votre contact pour cette mission. Merci. Alors, je vous explique. Le transformateur abaisseur de tension est bousillé, ce qui entraîne régulièrement des pannes. En temps normal, ce serait pas si grave, mais ça fait un moment que plus rien n'est normal dans cette ville. Si on fait rien rapidement, on risque d'avoir des coupures en chaîne sur l'ensemble de l'île. Alors si on pouvait éviter... D'accord, en gros, il faut rétablir l'électricité. Très bien. Ah bah, on pouvait le dire directement aussi. Hein. Pas besoin d'un rapport de professionnel. Donc je serai monsieur l'électricien pendant cette mission. Très bien, très bien. Alors, j'ai... Pour vous situer, hein, pour l'instant, on est encore à la première partie de l'île de Manhattan. On n'est pas encore à la deuxième partie. On a fait moins de 50% de l'histoire jusqu'à maintenant. Oh, bonjour. C'est tout? Ah non, là. Ah, ça va faire boum. J'aime bien ça. C'est toujours sympa. Ok, bon, on continue notre petit bonhomme de chemin vers Times Square. Je n'ai pas encore amélioré beaucoup d'autres choses dans ma base principale. Donc ça ne sert à rien, très honnêtement, de repartir vers la base pour que je vous montre ce qui a avancé. Puisque finalement, bah, rien n'a vraiment beaucoup avancé. J'aurais peut-être pensé aussi à améliorer mes armes. On fera ça après cette mission. Ok, on va arriver à Times Square. C'est joli, hein. C'est joli, Times Square. Et pour vous dire, d'ici quelques semaines, je pars à New York. Et je vais probablement me retrouver ici. Et ça me fait un petit peu bizarre. En fait, je pense que c'est quand je serai là-bas que ça me fera un petit peu bizarre. Ah, je vais peut-être prendre la munition. Où sont les munitions? Ah non, c'est pas les munitions. C'est quoi? C'est un truc que je n'ai absolument pas besoin. Très bien. Bon, je cherche toujours l'entrée de la mission. Elle est loin quand même, cette entrée. Oui, les munitions, elles sont ici. Voilà, parce que ça, on va vraiment en avoir besoin. Ok, en fait, c'est pas encore ici, c'est encore plus loin. D'accord, c'est vraiment pas tout près en fait. Et là, eh bien, c'est la Dark Zone. On ira hein, également faire un tour dans la Dark Zone un petit peu plus tard, dans un prochain épisode. Alors, où est-ce qu'on rentre? C'est pas ici. Ok, très bien. Notre priorité absolue, c'est de réactiver le transformateur de Times Square avant que le courant soit coupé dans l'ensemble du district. Je vais vous expliquer comment faire. Il n'y aura pas de problème, je crois. Enfin, j'espère. Bref.
Commençons par le commencement. On va devoir couper l'alimentation manuellement. Enfin, quand je dis « on », c'est vous. Et ouais, encore. Je sais que ça paraît illogique, mais comme fais-moi d'hab, quoi. Confiance. Comme d'hab. Comme d'habitude. Ok. Ouais, c'est ça que j'aime. Ah merde, il y a encore des gens. Ah, je les avais pas vus. C'est assez embêtant, hein, par contre. C'est chez nous. Ouais, bah, plus pour longtemps, hein. Ok, c'est bon. Je pense qu'ils sont tous mourus. Alors, couper le courant. On est vraiment dans le métro là, c'est assez sympa, c'est très joli. Métro new-yorkais que je n'aurai probablement pas l'occasion de voir quand je serai à New York, même si j'aimerais bien y faire un tour. Sur le bouton, je vous assure, c'est tout. Ok, bon, si ça se résume à ça, hein. Ok, très bien. Nickel, il n'y a plus de jus. Maintenant, vous allez pouvoir bosser sur le transformateur sans vous prendre une châtaigne. Désolé, Rhodes, je dois reprendre le commandement de cette mission. Avant que le signal des caméras ne soit coupé, j'ai identifié les corps présents dans cette salle. Ce sont des agents de la division. Agents, vos autres tâches sont suspendues jusqu'à ce qu'on découvre ce qui s'est passé. Oh non, saloperie de fédéraux. Il y a un poste de police dans les environs. Je vous envoie ses coordonnées. Oh merde. Vous devriez y trouver les enregistrements des caméras de sécurité. Restez sur vos gardes. Les coups de feu ont dû attirer l'attention des Rikers. Vous risquez d'avoir de la compagnie d'ici peu de temps. Ils vont pas laisser passer la chance de capturer une cible aussi précieuse que vous. Nouveaux éléments hostiles détectés. Ok, bon, il faut visualiser. Ah, oh, aïe, oui. Alors, est-ce que je dois tuer tout le monde avant? Ou alors, est-ce qu'ils vont venir à l'infini en mode... Tant que tu regardes pas la vidéo, on arrive. Ok, d'accord, on a un méchant pas beau là. Ok, méchant pas beau, il a pas fait long feu. C'est très bien, tant mieux. Oh, ils sont vilains. Oh, ils sont vilains. Oh, ils sont vilains. Ils viennent de partout en fait. Ah, là aussi, un gros méchant. Ok, très bien. Elle vient ici. Hop, encore une touche. Ah merde, oups, 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 oups. Où c'est tendu? C'est tendu, c'est très très tendu. Y'a d'autres mecs? Ah, ok, y'a plus personne d'autre, c'est bon. Alors, on peut regarder la vidéo. Parfait, je vais examiner les enregistrements. Vous pouvez aller rétablir l'alimentation électrique. Ah. Oh, mais c'est nul. Elle a plus besoin de vous, c'est sûr. Parce que c'est pas comme si ce qu'on essaie de faire était important, hein. Bon, pour la suite, on va avoir besoin d'un tableau électrique en état de marche. Warren Gate, la compagnie électrique, avait envoyé un camion pour procéder à des réparations, mais elles ont jamais été signalées. Ce qui signifie qu'elles n'ont jamais eu lieu. Et que les pièces, notamment le tableau électrique, se trouvent toujours à bord du camion. J'ai une idée d'où il peut se trouver. Alors si jamais vous êtes disponible... Ok, c'est nul parce que je pensais qu'on allait voir la vidéo des mecs de la division qui se font défoncer, quoi. En fait, non. Tissu découvert, ouais, non, ça je m'en fous. Je vais localiser. Attends, qu'est-ce que je vais localiser la camionnette de Warren Gate? Oh, un civil dans mon besoin. Tenez, monsieur, tenez, mon bon monsieur, un petit peu d'eau. Oh, c'est quoi que tu me drops là? Les baskets en daim, très bien, ça va me servir ça.
Ok, je vais trouver la camionnette de je sais pas qui. Tiens, tiens, Homa. Ok, d'accord, c'est vraiment multiculturel, hein, New York. Oui, et elle est où sa camionnette? Elle a pas l'air ici, hein. Parce que là, on arrive quand même sur les bords de la mission, non, c'est pas ici. Où est cette camionnette? Est-ce qu'on a une info sur la map? Où est la camionnette de Warren Gate? Ok, il n'y a pas plus d'infos que ça sur la map. Très bien. Serait-ce celle-ci? Maintenant, vous allez devoir brancher le tableau électrique au transformateur. Je vais vous indiquer comment faire. Si on a de la chance et que ça fonctionne, Times Square va s'illuminer comme à l'époque où il y avait tous ces connards de touristes. Bonjour, je vais à New York dans une semaine. J'espère que vous avez fait gaffe en le portant. Si vous vous niquez le dos, vous allez pas pouvoir faire passer ça en accident du travail. Alors, c'est pas ça que je voulais. Ok, alors, si on pouvait me laisser tranquille le temps que je porte ma boîte. Ah, ils veulent vraiment pas me laisser tranquille, les mecs. Il y a un recul pas facile à gérer quand même, hein, sur les armes. Alors on va le terminer au pistolet histoire de... Eh ouais monsieur. C'est ça le style. Par contre, il est chiant, c'est très très lent quand il porte un objet, on est obligé de marcher. J'espère que je vais pas avoir une troisième vague de mecs qui va arriver. Ça m'arrangerait. Non, si, ah bah si, ah bah évidemment. Non, c'est pas ça que je veux. Dis ça. Ok, ok, très bien. Très bien les mecs. Alors, je me suis gouré dans mes touches. J'espère que ça va pas me coûter la mission. Ok, très bien. Ça fait un peu moins les malins hein, quand j'ai pas le pistolet en main. Ok, on recharge un peu les armes avant. Est-ce que je peux enfin les déposer sur dans le transformateur? Ce serait plutôt sympa. Oh non, me dis pas qu'il y en a un deuxième à transporter quand même. C'est parce que je voyais deux entrées. Ok, c'est bon. Le truc, c'est qu'il suffit pas d'appuyer sur un bouton et de se tailler. Vous allez devoir rester sur place le temps qu'on s'assure que tout fonctionne correctement. Je suis désolé, mais cette position est trop exposée. Les Rikers ne sont pas stupides et ils sont à votre recherche. Après ce que vous avez fait en arrivant, ils vont tout faire pour avoir votre tête. Ok, qu'est-ce que je vais faire en fait? Éléments hostiles détectés. Non. Oh, on se barre, on se cache. Ok, donc en gros je dois défendre la zone, très bien. Par contre je suis tout seul, c'est pas cool. Nouveaux éléments hostiles détectés. Oh merde, ils viennent de l'autre côté, très bien. Hop, on s'enfuit, on s'enfuit, on s'enfuit. Oh merde, il y a un snipe. Ça va pas être cool.
Ah, ils font chier. Wow, ils sont où? Hop. Attention, nouveaux éléments hostiles détectés. Je suis tout seul ou comment ça se fait? Ouais, je suis vraiment tout seul. Bon, par contre, je dis pas grand chose, je me concentre, j'ai pas envie de me faire buter. C'est embêtant parce que j'ai l'autre qui arrive en haut, voilà. Putain, c'est quoi Superman? Lance-pierre, très bien. C'est pas cool. Ok. Lui, quand il met une tête, il fait mal quand même. Bon, faut d'abord que je me débarrasse de celui-là. Qu'est-ce que je peux te mettre, grenade? Allez hop. Il me fait chier celui-là, il me fait chier. Allez viens, monte ta tête. Allez. Et voilà, les affaires reprennent. Le réseau a l'air stable et les lumières sont allumées. Enfin, celles qui se sont pas fait tirer dessus. Times Square est à nouveau lui-même. Et pour beaucoup de monde, c'est un sacré symbole. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré? Une MP7, holster d'exposition et mode de performance en sommet. Ouais, bon, rien d'extraordinaire. Et Times Square qui est de nouveau illuminé. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu plus de lumière que ce qu'on a eu durant la mission. C'est très joli, Times Square, en fait. C'est très très joli. Donc c'est tout. En fait, c'est tout pour la mission. Je pensais qu'on allait dans le métro et tout. Je pensais que ce serait une mission un peu plus... Un petit peu plus excitante. Bon, bah du coup on va s'arrêter, on va juste refaire un petit tour du côté de la base d'opération, histoire de voir s'il y a des choses qu'on peut éventuellement améliorer. Mais à mon avis, il ne reste pas grand chose à améliorer pour l'instant. Je vais faire quelques missions, améliorer tout ça et puis vous les montrer par la suite. On a récupéré un enregistrement vidéo qui montre ce qui est arrivé à plusieurs de nos camarades de la première vague. Ça renforce encore ma détermination. On est loin de savoir tout ce qui s'est passé, je vous le dis. Alors. Oups. Ok, donc en fait les mecs se sont fait défoncer, hein, tout simplement. Ils se sont fait défoncer par les... je pense que c'était les Rikers. Ouais, c'est pas cool. Donc nos potes en fait se sont fait défoncer là dans le métro comme vous avez vu. Et c'est vraiment pas très sympa. Voilà, bon, au moins on aura eu la vidéosurveillance. Merci d'avoir suivi cet épisode. Le prochain sera probablement un peu plus fourni en mission, puisque là on vient de terminer cette partie-ci de l'île. Et puis, bien, lors de nos prochaines rencontres, on ira sur la deuxième partie de l'île. On fera un petit peu de Zarkdawn. En attendant, voilà, j'ai envie de vous dire, portez-vous bien. Et puis à la prochaine pour un épisode.